Mais oui, où sont les 30 000 francs que j'avais? Mais où sont les 30 000 francs que j'avais? Mais où ils sont? Mais comment je vais faire? Tu te rends compte? Je les ai perdus! Je les ai perdus! Mais c'est pas à moi cet argent, c'est pas à moi! C'est à mon patron, je devais lui rapporter tout à l'heure! Quand je vais lui dire que je les ai perdus, il va me tuer, mais c'est pas possible! Je peux pas le dire, oh, vous faites pas de mauvais sang, va! Perte d'argent n'est pas mortelle, 30 000 francs perdus, 10 de retrouvés! Il va me jeter! Si c'était à moi encore demi-mal! Mais comment demi-mal? Mal entier, oui! Pourquoi j'aurais perdu 30 000 francs, moi, d'un coup comme ça? Non, ça va pas, non? 100 francs par 100 francs, je dis pas, à la rigueur, c'est comme si c'était des petites traites! Mais où sont ces 30 000 francs? Je les avais là. Mais où ils sont, Herbé, où ils sont? Allez, voir. Le tir provisionnel. Ah, celui-là, je ne l'ai pas perdu, va. Mon ami, on a raison de dire, ouais, les bons s'en vont, il n'y a que les mauvais qui restent. Mais je les avais là, Herbé, je les avais là, où ils sont? Je les avais là, je les... Les voilà! Oh, les voilà! Oh, les voilà, je les ai retrouvés, heureusement. Heureusement que je les ai retrouvés, les... Heureusement, si je les avais pas retrouvés, je les aurais perdus. Comment j'aurais fait si je les avais perdus? Comment j'aurais fait? Comment j'aurais fait? Mais il aurait fallu que j'emprunte à Sauveur. Mais ouais, il m'aurait pas prêté, Sauveur. Il m'aurait pas prêté. Il m'aurait pas prêté ce pourri. Après tout le bien que je lui ai fait, j'ai mangé chez lui pendant un an et tout. Ah, pourri, va. Mais ça fait rien, va. Qu'est-ce que je regrette d'avoir demandé? Qu'est-ce que je regrette? Ah là là, mais ça fait... Il n'a pas sauvé Sauveur avec moi, va. Ça fait rien, va. Mais alors, à qui j'aurais demandé alors? J'aurais demandé à Bastien. Ah ouais, il ne m'aurait pas prêté, Bastien. Il aurait su que Sauveur, il m'a refusé, il m'aurait dit non. Ce pourri, il m'aurait refusé à moi, après tout le bien que je lui ai fait. Tu sais pas, quand je mangeais pas chez Sauveur, je mangeais chez lui, mais ça fait rien. Mais je leur dirai, vous êtes toi et Sauveur, deux pourris ensemble qui s'assemblent, pop, dans le même sac. Allez, allez, c'est pas la peine, je sais où ils sont mes amis, maintenant je sais où ils sont. C'est bien simple, j'en ai pas, alors. Bon, mais alors à qui j'aurais demandé, alors, à qui j'aurais demandé? J'aurais demandé à Norbert. Je le connais à peine. Eh ben, un coup de courage. Et voilà. Peut-être qu'il me les aurait prêtés, Norbert. Peut-être qu'il me les aurait... Il me connaît pas, alors il me les aurait prêtés. Tu te rends compte, des Norbert qui me connaît pas, il me les prête. Et c'est de pourri de Sauveur et Bastien, il me refuse. Mais c'est pas vrai. Mais quel... C'est un brave type, ce Norbert. Mais c'est une pâte, c'est un miel, ce type-là. Il faut le garder, lui, il faut le garder. Mais je leur dirai, vous n'avez pas honte. Un étranger me prête et vous ne me prêtez pas. Vous êtes mes frères, vous, soi-disant l'amitié, les frères. Allez, va. Oh là là, mais quel brave type, ce Norbert. C'est une pâte, il faut le garder, lui. Heureusement qu'il y a Norbert. Mon ami, si ça se trouve. Même pas, il aurait voulu que je lui rende. Comme je le connais, il m'aurait dit non, c'est pas la peine pour toi de me voir. Mais tiens, Norbert, voilà, c'est ton argent, je te les rends, c'est normal, enfin, tiens. Mais non, 30 000 francs, c'est pas la peine. Oh, c'est vrai, regarde-les, ça fait. Oh là là, presque il se serait vexé, on aurait fait. Il aurait été en justice, des procès, des. Oh là là. Bon, ça va, j'aurais écrasé le coup, ça va. Mais quel brave type, ce Norbert, et tu te rends compte? Quel brave type, ce. Il me prête 30 000 francs et il veut pas que je lui rende. Eh bien, puisque c'est comme ça, tout de suite, je vais aller lui demander ses 30 000 francs à Norbert et on n'en parlera plus. Voilà.